De quelque côté qu'on aborde Fès, la ville se présente dans un éclat de gloire qui depuis des siècles frappe et étonne les visiteurs. Si l'on vient du sud, la vieille cité sainte emprunte au sable du désert vers laquelle elle est tournée leur palette de couleurs. Si l'on vient du nord, ses murs sont déjà chargés de toutes les teintes des climats de la pluie. Ces deux manières de se trouver dans la lumière ont marqué à jamais son destin. Mais déjà, on peut affirmer que c'est l'honneur qui l'a favorisé, car si Fès est une création de toutes les parties du Maroc, elle est surtout l'héritière de la civilisation andalouse, dont elle sera le suprême refuge et qu'elle a perpétué jusqu'à nos jours, comme Byzance prolongera Rome pendant les siècles qui suivirent la disparition du grand empire méditerranéen. Le vallon où repose la ville prestigieuse s'ouvre devant nous comme un creuset où l'on aurait fondu tous les recouvrements humains et sociaux du Maghreb, où les passions se seraient enfouies pour se transcender dans l'islam et pour étreindre à travers les minarets de la terre vers le ciel, ces courants si divers rendus soudain uniques par la force religieuse. Les poètes arabes ont dit Fès l'incomparable. Elle a été représentée comme un œuf dans son nid. Ibn al-Khatib l'a décrite comme une ville à qui la colombe a prêté son collier, que le paon a orné des plumes de ses ailes. Et el-Makari, parlant d'elle, a évoqué les ruisseaux qui la traversent comme les bras d'une belle dont les paons dressés seraient les bracelets. L'écrivain orientaliste François Bonjean a résumé en une phrase saisissante l'âme de Fès. Nous illustrons ce texte de quelques images prises au musée du Bata. Fès, dit l'écrivain, c'est être aussi résolument moderne qu'attaché au passé, novatrice et traditionnelle, silencieuse et expansive, repliée sur elle-même et accueillante, paisible et frondeuse, sensuelle et dévote, synthèse unique des génies puniques, juifs, berbères, romains, arabes, citadelle du prophétisme en Occident, cité-monastère dans laquelle la place considérable fait au siècle, semble dépendre à chaque instant d'un dispositif automatique de sacralisation du profane. Au milieu d'un pays encore fruste, marqué par les continuelles remontées des apôtres musulmans du désert, qui de siècle en siècle animent la foi et constituent en Espagne le fer de lance de l'islam, Fès constituera une oasis de civilisation raffinée et de spiritualisme à la fois ardent et pacifique. Car si le Sud a donné ses soldats à l'islam, Fès lui a apporté ses théologiens et ses prédicateurs. C'est Fès qui, aux heures les plus sombres, sera la gardienne de l'unité du pays. C'est de Fès que rayonnera la religion et que se maintiendra la pureté théologique en face du paganisme rémanent ou à l'encontre des schismes, des hérésies, des déviations. Est-ce la magie du spectacle, la beauté transcendante de ce paysage à la limite de l'homme et du sacré? Mais à Fès, l'idée de Dieu est partout présente. Partout, elle éclate comme ce paysage. Partout, elle imprègne les pierres et les hommes, les heures, les démarches et les monuments. Et cette piété, comme l'a magistralement exposé le professeur Le Tourneau, n'a jamais connu d'hérésie. Aucun schisme, aucune diversité de rites, même orthodoxes, ne l'ont effleuré. Depuis 10 siècles, Fès se donne à Dieu, sans déviation ni argutie dogmatique. Aucune ville musulmane au monde n'a connu cette pérennité. Aucune n'a connu cette unité qui va même jusqu'à placer côte à côte la mosquée Université de la Karawine et la mosquée populaire de Moulay Idriss pour témoigner de l'étroite parenté religieuse où se trouvent les différentes classes de la population. L'une, la Karawine, que nous voyons ici, est l'asile de la science islamique, le creuset où sont formés les docteurs de la loi, le conservatoire de l'orthodoxie. L'autre, Moulay Idriss, est le centre de la piété populaire, qui ne s'embarrasse guère de doctrine et qui, effrayé par la grandeur et l'omnipotence de Dieu, éprouve le besoin d'un intermédiaire pour s'adresser à lui. La piété alors se fait plus sentimentale et plus charnelle. L'intermédiaire porte le beau et glorieux nom de Monseigneur Moulay Idriss.